50e minute gravée dans votre esprit, cette mêlée qui tourne et qui fait basculer le match à 19. Oui, on avait la possibilité à ce moment-là de prendre l'avantage. Voilà, je crois que les joueurs ont décidé autrement en voulant prendre cette mêlée. On était en supériorité numérique et voilà, je pense qu'il s'était mis dans la tête d'aller chercher peut-être l'essai de pénalité, enfin certainement. Et c'est vrai que le fait que la mêlée soit retournée, la pénalité soit retournée, ben, ça a été une occasion ratée. Et c'est vrai que je crois que d'ailleurs en suivant, on prend un essai. Donc ça n'a sûrement pas été un bon plan, mais est-ce que c'est le tournant du match? Je ne sais pas, mais ça fait partie de ça, ouais. Derrière ça, il y a peut-être 4 cartons jaunes à l'extérieur, c'est rédhibitoire aussi. Voilà, disons que surtout les deux premiers hein, qui sont complètement idiots de notre part. Alors les deux suivants, je ne sais pas, je crois que les arbitres quand même distribuent ces petits cartons trop facilement. Hein, voilà. Après, il est évident qu'en prenant 4 cartons jaunes dans une partie, il est difficile de... Hein, ça fait beaucoup de temps passé à 14, donc on complique le problème. Maintenant, moi, je suis très content de l'investissement des joueurs. Je crois qu'on s'était déplacé en voulant juger justement ça, au-delà du jeu, du rugby. On voulait savoir dans notre comportement si on pouvait rivaliser avec cette équipe de Béziers qui tournait plein pot depuis un moment, là. Bon, mais je crois qu'on a répondu présent dans le combat, dans l'agressivité. C'est déjà une très bonne chose. On est resté au score durant une grande partie de la rencontre. Donc, il y a plein de bonnes choses à prendre dans cette partie. Maintenant, on prend quand même... on a pris 20 points, je ne sais plus, 25 points. C'est trop. Mais je crois que, vu le déroulement de la partie, je pense que les joueurs sont accrédités d'une bonne prestation aujourd'hui.